nice pour les gens. Ajouter ce qui manque. Ah, c'est quoi ça?
Jésus-Christ, le grand sauveur et le frère, son immense charité durera perpétuité, son immense charité séparation, mais un moment de reconnaissance. Si c'était possible, je vous aurais demandé de pouvoir
toucher quelqu'un, prendre la main à quelqu'un, pour qu'on se ressente tout près, pour que le sentiment d'appartenir à une famille soit vrai. On a tellement dit pendant l'homélie à l'église que Albert était l'homme de la famille. Mais il y a une chose que nous partageons en commun en cet instant, tous, sans exception, c'est que nous sommes vivants. Amen. Ça, c'est une grâce. C'est un don de Dieu. La vie, c'est un don que Dieu nous donne. Parce que quand on n'est pas vivant, on ne peut pas dire qu'on est vivant. Je pense à ce que disait le défunt patriarche, Pasteur Toussaint. Toutes les fois, on le saluait. On lui disait, comment vas-tu, pasteur? Sa réponse, chez les vivants. In the world of the living. À l'instant où nous sommes là, certains sont malades. D'autres ne savent pas qu'ils sont malades, mais ils le sont. Mais nous sommes tous vivants, malgré tout. J'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu de nous avoir prêté ce frère, ce père, cet époux, cet oncle, ce cousin pendant 77 ans. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur de nous l'avoir prêté. Ce que tu fais, tu le fais bien. Amen. Mais il y a une promesse que Dieu fait au-delà de la mort, au-delà de ce moment particulier. C'est qu'il dit, je reviendrai. Et cette promesse, nous l'approprions cet instant, parce que nous savons que Dieu ne ment pas. Il dit, je reviendrai. Et il nous promet non pas de vivre 77 ans, 80 ou plus, mais vivre éternellement. Le texte, vous le connaissez, quand il disait, je m'en vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je serai revenu, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse que je voudrais partager avec chacun d'entre nous en cet instant. Nous accrocher à la promesse du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un jour, chers amis, très bientôt, dans le ciel de la Martinique, dans le ciel du monde entier, Jésus reviendra. Amen. Ça, c'est une parole certaine et véritable. Nous attendons ce jour, vous attendez ce jour d'une manière particulière. Mais ce jour-là, ce sera un jour de joie, un jour de bonheur, un jour de réjouissance. Dans l'attente de ce jour, gardez précieusement le souvenir que nous a laissé notre frère et bien-aimé Albert. Que nous puissions chérir son sourire, son rire, ses blagues, ses moments d'espièglerie. Parce que nous savons, chers amis, que ce n'est qu'un repos. La définition de la Bible de la mort nous dit que ce n'est qu'un sommeil. Il se repose en Jésus, dans l'attente de son retour prochain. Je voudrais vous souhaiter à tous, chers amis, un bon courage. Gardons les yeux vers le ciel. Et puis, rappelons-nous de la mélodie que nous avons fredonnée il y a un instant. Le Seigneur même, bonheur suprême. Bon courage à chacun. Bon courage à la famille. Restez tout près les uns des autres. Connectez l'un à l'autre. L'Éternel saura apaiser votre douleur, apaiser votre tristesse et vous permettre d'avancer avec l'espérance délibérée, ferme au retour de notre Seigneur et de Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Avant de le mettre dans son temps de repos, il y a une prière qui sera présentée par notre bien-aimé frère Martial Jean-Louis et après quoi nous pourrons le mettre en terre. Inclinons la tête. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Yes. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse, ô mon Père. Que ton règne vienne pour que cessent ces douleurs sur cette terre. Que ton règne vienne pour que cesse la mort. Que ton règne vienne pour qu'il n'y ait plus de deuil. En attendant ce jour, nous te prions, ô bon Père, d'être avec la famille Toussaint, d'être avec son épouse, ses enfants. Tu sauras, ô Père, les consoler comme il le faut. Tu seras près d'eux pour leur permettre de continuer la route jusqu'à ton retour. Et que toute gloire te revienne dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
Juste avant de déposer Albert dans ce lieu de repos, nous voulons, au nom de la famille, remercier tous ceux qui nous ont assistés cet après-midi. Merci à la chorale, à tous ceux qui ont chanté, parce que c'était la vie d'Albert, le chant. Combien de fois on s'est retrouvés en voyage et dans différentes églises, était là avec nous. Et nous, quand on songeait ça. Nous voulons remercier les amis, les collègues. Et quand je traverse les couloirs de la Ménard, j'entends Monsieur Toussaint, un homme qu'on respecte et qui avait sa parole et qui le faisait droitement. Nous voulons remercier tous les amis, les frères. Si vous êtes là, c'est parce que vraiment, Albert vous a marqué d'une manière ou d'une autre. Nous avons des amis qui sont sortis de Guyane, la famille même revient de Guyane, d'autres de Sainte-Lucie. Et j'ai entendu Rodney présenter les salutations à ceux qui sont bien ailleurs. Nous savons quel homme il était. On n'oubliera jamais son sourire, ses blagues. Surtout avec moi, il n'a pas arrêté de m'embêter. Je lui aurais dit aujourd'hui qu'il a perdu le combat, mais la vie continue. D'accord ? Nous voulons le laisser partir en paix. Merci à tous. Merci à vous. Mais vous pouvez continuer à encourager la famille. C'est à présent, Yoni, vous les autres. Un petit coup de fil, une petite visite. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça fera toujours du bien. Merci pour tes forces, les autres, Kabayoa. Merci à tous d'être là. Autour des gloires, 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 autour des gloires
Ton sang coula, 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 ton sang coula
the child in the morning, Lord. Mind the child in the morning, Lord. And then he waits for the judgment day. My Lord, I'm gonna ride the child in the morning, Lord. I'm gonna ride the child in the morning, Lord. I'm getting ready and anyway for the judgment day. My Lord, are you ready by the sea? Oh yeah.
face à part. C'est pas grave, mais c'est pas grave.